Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans notre 10e vidéo consacrée au Haut Conseil. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu plus en pratique comment se déroulent les nominations. C'est très simple. On place deux urnes de part et d'autre du Haut Conseil et on appelle, le président appelle chacun des membres du Haut Conseil par ordre de séniorité décroissante, en commençant donc par le chef d'état-major. Et chaque membre est appelé à mettre un papier de manière anonyme sur lequel est nommé, il donne le nom d'une personne qui, selon lui, pourrait être un candidat à l'élection du général. Et je rappelle qu'il n'est pas obligé de donner un nom, il peut rendre un papier blanc. Pourquoi l'anonymat? Parce que, en fait, quand on y réfléchit, l'anonymat, ça pose pas mal de soucis. On aimerait bien savoir pourquoi telle personne propose ce nom. On aimerait bien qu'il puisse y avoir des plaidoyers pour ou telle personne. Ça pourrait aider d'autres personnes à faire leur choix, à adhérer, ou pas d'ailleurs, à la candidature de telle personne. Mais on a choisi l'anonymat pour une très bonne raison, c'est que si les nominations étaient ouvertes, n'étaient pas anonymes, eh bien, ça provoquerait des phénomènes de politisation du Haut Conseil, c'est-à-dire de fractionnement. Un peu comme dans l'Église de Corinthe, où Paul dit que voilà, il y a des groupes qui se forment, se revendiquant de Paul, de Barnabas, etc., etc. Et pour éviter ça, eh bien, de la même manière, dans le Haut Conseil, eh bien, on a maintenu depuis le départ l'anonymat des nominations et les ordres de procédure interdisent rigoureusement tout travail de lobbying pour ou contre soi-même ou pour ou contre quelqu'un d'autre. Il est rigoureusement interdit de faire du lobbying parce qu'on veut éviter le fractionnement du Haut Conseil. L'unité de l'armée du salut est déjà assez compliquée à maintenir comme ça pour qu'en plus dans le Haut Conseil, il y a des phénomènes de politisation, de fractionnement, de compétition élective. Voilà. Mais alors, comment choisir? Alors évidemment, c'est un discernement spirituel basé sur les qualités de la personne, sur l'âge aussi, puisque il va falloir qu'elle soit, on ne peut être général que jusqu'à la retraite, jusqu'à 68 ans maximum, mais je vais y revenir plus tard quand je parlerai de l'élection proprement dite, sur l'expérience, sur pas mal de choses. Et là, on se retrouve devant un grand problème. C'est que dans les premiers hauts conseils, ça posait pas trop de soucis. Tout le monde se connaissait. Mais à partir de 39, commence à se poser deux problématiques. Le premier, c'est que les grands héros des débuts de l'armée du salut, les pionniers, ont disparu. Ou commencent à disparaître, à sortir un petit peu du devant de la scène. Et d'autre part, depuis 1939, le turnover, le renouvellement au sein du Haut Conseil s'est accéléré, dû à l'agrandissement de plus en plus de l'armée du salut. Ce qui fait que les gens dans le Haut Conseil se connaissent de moins en moins. Et même certains sont de parfaits inconnus. Alors comment, dans un Haut Conseil où vous ne connaissez très peu de monde, comment faire pour choisir? Pour ce faire, il y a deux choses qui sont mises en place. La première, c'est qu'il y a de plus en plus de conférences en dehors du Haut Conseil, de conférences regroupant les hauts dirigeants à différents niveaux, à des niveaux locaux, à des niveaux zonales, qui représentent plus ou moins les continents, et puis aussi à des niveaux internationaux, il y a des conférences de leaders. Il y a aussi le conseil consultatif du général qui englobe tous les membres du Haut Conseil, etc. Enfin bref, il y a de plus en plus aujourd'hui de possibilités pour ces hauts dirigeants de se rencontrer. Et puis aussi, aujourd'hui, par email, on a l'occasion de discuter, d'essayer d'apprendre à se découvrir, et les ordres de procédure, si elles interdisent le travail de lobbying, acceptent quand même qu'il y ait des rencontres qui soient faites et aussi qu'on apprenne à se découvrir les uns les autres. Tant que ce n'est pas un travail de lobbying, voilà, on accepte quand même que c'est normal qu'on puisse discuter et essayer de découvrir un peu les uns les autres, tout simplement pour pouvoir éclairer
sa lanterne pour cette nomination. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus, selon moi, fondamental, qui permet ce choix de nomination. D'ici là, restez sang et feu.